Dossier intervention militaire dans le pays d'Haïti retourné dans l'actualité. Il y a un rebondissement là qui fait que tomber et puis gouvernement haïtien frappe pied sous gouvernement République Dominicaine. Ou pral gen détail dans édition nouvelle ça sous gros point ça qui a dominé actualité. Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'on qui côté ou approche ou annonce. C'est Founijé qui encore une fois entré la CAO nous porter pour toute nouvelle qui a dominé l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Pigou point cap dominé actualité, j'en nous saut dire ça, dossier intervention militaire, li retourné, gouvernement haïtien frappe pied à terre sous gouvernement République Dominicaine. Non, mais c'est qui action que gouvernement haïtien lui-même li posé là? Est-ce que c'est une action qui relevant ou bien est-ce que c'est du pipi de chat ou pas le détail tout à l'heure comme ça? La police marée quelques togo dans opération qui ont mené dans pays à dossier visa gros corruption qui gagnait dans commerce visa dominicain dans pays d'Haïti. C'est parmi points qui pourra le faire essentiel édition nouvelle ça journée jeudi 30 novembre 2022. Merci Zami Founijé parce que vous accompagnez nous dans vidéo ça, ou t'es accompagné nous pendant tout mois de novembre là. Ou toujours présent, ou toujours fidèle, et ou toujours like, ou toujours commenter, ou toujours partager vidéo nous. Merci infiniment pour fidélité ça. Si vous faites atterri sous channel ça, bienvenue sous channel grande puissance là, pas hésiter, cliquez kounya la même sous s'abonner, puis activer petite cloche notification, qu'on soit toujours rester connecté avec nous, après vous avoir une notification chaque fois que nous laguez une nouvelle émission. Pas oublier quitter un like, dans vidéo ça, dans toute l'autre vidéo nous, pas oublier tout, dis-nous qui côté ou après vous nous, qu'on s'en a bon gros coup de chapeau pour la prochaine vidéo nous. Gros coup de chapeau journée aujourd'hui, li pral joine Fritz Siméon, n'a salué Ricardine Célissa, nous pas oublier Marie Saint-Louis, n'a salué tout D4L Telside, n'a salué Philbert Juste, yon gros coup de chapeau pour Joujou du jour, n'a salué Johnny Belias, Roseline Roman, nous pas oublier Jeannette Jean-Louis, yon gros coup de chapeau pour Aceden Alparet. N'a pas salué tout et Roselaine Casimir, nous pas oublié Narcisse Bernard, yon coup de chapeau pour Luc Saint-Amour, n'a pas salué Jean-Pierre Jeff Noël Franqueur Joseph, nous pas oublié Marie Julie, n'a pas salué tout Jacqueline Saint-Preux Suzelle Gentille Hérol, sans nous pas oublié Jean Benjamin Dantan Janine Serge Pierre et Latrier, n'a pas salué toute super branché nous yon, même si patata de non ou jodian nous pensons avec nous et moi pile c'est pour notre travail et c'est avec vous que n'a piqué pour plus devant sans plus tarder n'a pas directement dans développement information nous pas. Mesdames et messieurs, avant nous entrer dans le développement information, n'a annoncé que nous pral mettre sous pied là un groupe Telegram pour channel là et bien toute super branché nous toute fanatique Founijé ou ap gagner possibilité pour porter contribution par avec channel ça lorsque ou gagner une information t'a aimé partager avec nous ou capable poster dans groupe Telegram ça. Nous pral faire tout ça qui possible pour nous laguer link groupe ça dans vidéo ça. Dans vidéo ça n'a plagé le link là dans premier commentaire. Si vous pouvez jouer le link groupe Telegram dans le premier commentaire vidéo ça ou bien dans description vidéo là, vous mettez sûr que dans prochaine vidéo nous ou bien dans une prochaine vidéo nous n'a plagé le link groupe Telegram ça, mesdames et messieurs. Deuxième rappel que n'a fait, n'a pas rappelé ou même qui nouveau sous channel ça, il y a des amis qui toujours a demandé pour qui ça ou pas ouais figure mon yo le n'a présenté mon que la police arrêté. Et bien sous channel ça nous même nous gagné yon politique qui pas permettre nous présenter figure mon qui s'est présumé le la police arrêté yon présumé kidnappé yon présumé bandit. Et bien mon ça les considérer comme présumé, c'est ça qui fait que nous protéger identité moun sa o jusqu'à ce que la justice prononce li officiellement sous situation yo. Parce que gagne des cas que la police arrête des innocents, malgré ça li poster identité moun nan, li poster visage moun nan, et faut nous connaître que moun sa o tout yo gen famille, yo gagne probablement yon carrière, yo gagne tout futur yo, si c'est un jeune garçon par exemple qui t'a arrêté par erreur par la police. Et bien nous pas là nous même
important pour nous détruire monde sous channel ça. Ou capable remarquer si moun nan son figure publique, si un monde que tout monde reconnaît dans société a déjà, si son politicien, si son gros homme d'affaires, donc des monde qui se figure publique, pas de pièce problème pour nous présenter yo, puisque c'est des figures publiques. Si c'est des bandits notoires tout que toute société a connaît déjà, moun sa va un problème pour nous laguer visage yo normalement. Mais à part de ça, tout monde qui se présumé que la police arrêté, nouvelle là li capable passer sous channel ça, mais n'a toujours prend le soin pour nous préserver identité moun sa yo. Si toutefois pas gen pièce flagrance dans arrestation et pas gen pièce condamnation qui court prononcé contre moun sa yo. Haïti insécurité dans cadre yon contrôle de routine qui était fait dans Delma 33 par brigade lutte contre vol en machine BLVV, yon unité de DCPJ te procédé avec arrestation hier mardi 29 novembre là de 3 individus sa yo qui ont gardé dans image là parmi yo yon se yon déporté du Canada et monsieur te arrêté là pour détention zam illégale autour de opération sa gen deux machines suspect qui tape transporté individu sa yo que la police te confisqué parmi yo yon Toyota Prado couleur blanche et puis yon Toyota pick-up Hilux et puis zam yo saisi c'est un pistolet calibre 40 après audition individu sa yo qui était interpellé. Yon procédure judiciaire entamée là contre yo et nan moment ça yo trouvé yo embamé DCPJ. Dossier gros bras commerce visa que dominicain a fait dans pays d'Haïti n'a fait connait que haïtien c'est migrant qui plus recevoir visa dominicain à travers tout monde là mesdames et messieurs c'est une raison qui fait que business vend visa en Haïti vignes activité qui rapporte en pile mais vraiment en pile l'argent pour dominicain yo dans une enquête li publié en créole sur site internet li journal dominicain listine diario posé problème processus pour haïtien acheter visa mais tout qui jan agence ak particulier utiliser secteur ça pour voler comme moun dans l'espoir y a fait yo joindre visa pour faciliter yo quitter pays a. Mesdames et messieurs, notre travail enquête ça que journal dominicain listine diario lui-même li mené li parler de plusieurs haïtiens qui payaient en pile l'argent pour y joindre yon visa mais yo parler tout ak moun kap travaille dans quelque agence kap vann visa en pile nan citoyen journaliste parlé avec yo fait qu'on est yo kon perdi l'argent à cause agence voyage à quelque particulier qui proposait un service pas permettre yo joindre visa vrai yon employé que listin yario parlé à client fait qu'on est dans commencement septembre visa dominicain monté $600 américain et ça capable varier parfois prix li kon $300 li kon $400 li kon $500 tout et j'en nous dit ça li kon même rivé $600 vet coup poireau. Selon chiffre officiel ministère des affaires étrangères gagnon gros différence entre prix différents visa dominicain yo gagné dans résolution qui en vigueur 2-07 ministère affaires étrangères dominicain te fait sorti qui fait connait que l'état doit sorti entre 40 pour arriver $60 mais normalement prix visa dominicain prix normal que dominicain a vendre un visa dans pays d'Haïti l'état doit fixer entre $70 à $90 selon catégorie visa pendant que visa ça qu'on arriver vendre $600 dans pays d'Haïti affiche qui plaqué devant consulat dominicain dans pays d'Haïti et publication qui fait sur réseaux sociaux fait quoi prix a varié entre $175 pour arriver $225 pour grand monde listine diario rappelé que selon ministère dominicain affaires étrangères demande visa c'est un bagage personnel li doit fait dans consulat ou bien dans ambassade si c'est pas comme ça ça arrive fait c'est un pur processus qui pas légal d'après la loi c'est ça journal là lui-même li écrit. Sorti 2020 pour arriver 2021, il y a une augmentation de 40% dans le bail visa dominicain et haïtien. C'est ça que le journal a continué pour le dire. Augmentation ça, il reflétait des espoirs qui envahit haïtien qui voulait coûte que coûte quitter pays. Côté l'année passée, président Jovenel Moïse était mort assassiné. Il y a un gros goudou passé et puis 7
157 moun te fè ouvèl pou peyi san chapeau an ba grif COVID-19 an plus impak lot maladi. Lot donè ki nan anket sa ke listin diaryo menè an soti 2015 pou rive 2022 e 89% parmi 818,000 visa mission consulè dominikien bayan a travers le monde se haïtien ki resevwa yo. Selon chif, ministè afè étrangè dominikien bayan kad anket sa ke journal la li menè. Seulement nan Port-au-Prince, nan commune Pétionville, gen 269,625 visa ki baye, kote ke pi fò nan yo se visa d'afè multiple ki reprezante 89% visa touriste qui a trouvé la deuxième position, soit 35,065 visa qui baille, et en troisième position, gagné visa touriste simple qui représentait 12,213 visa qui baille. Pendant la période, ça, listing diario fait qu'on est que chiffre montré mission en Haïti a rapporté environ 64,212,000 sous 85,749,330 dollars américains qui entrait en République dominicaine pour affaires commerce visa, ça qui représentait 75% en total l'argent que consulat dominicain recevoir dans tout le monde. Journal la rappelé, République dominicaine a gagné 47 consulats à travers le monde là dans le pays d'Haïti. Ou capable gagner une idée de quantité l'argent dominicain fait avec haïtien seulement dans 20 visa à travers le monde. C'est Haïti qui est en première position dans acheter visa dans mais dominicain, soit 75% dans toute visa que dominicain vend. Mesdames et messieurs, autorités pays d'Haïti transmettent avec République dominicaine que déportation massive citoyens haïtiens qui a été faite depuis quelques jours là, li contribue à la détérioration de relations entre deux pays selon un communiqué que gouvernement haïtien li publié hier mardi. Eh bien, chargé d'affaires nan pays République dominicaine représentant pays d'Haïti nan pays sa. Yo te gen yon réunion hier avec ministère affaires étrangères République dominicaine kote ke yo te traité sou sort qui infligé avec migrant haïtien République dominicaine kote ke yo mandé nan un délai raisonnable pour suspendre situation sa. Lors de rencontre sa représentant haïtien li te fait part de préoccupation gouvernement haïtien sou question sa et li te parlé sou protocole d'accord qui était signé en 1997 sur repatriement sous question préoccupant de mineurs dominicains déportés sans parents yo et sous régularisation statut étudiant yo et puis sous commerce parallèle visa cap fait parmi l'autre situation que haïtien yo même yo protesté contre yo. Selon notre ça que gouvernement haïtien publié, action ça contribue à détérioration entre deux pays et au compromettre coopération nécessaire dans différents domaines. Dans communiqué à gouvernement haïtien fait connaître qu'il a fait tout effort qui dépend de eux-mêmes pour forcer gouvernement dominicain à appliquer tout ça qui dans protocole d'accord sur repatriement qui était signé en 99 et pour forcer dominicain à respecter protocole ça. Qui donc, mesdames et messieurs, t'as semblé que finalement, gouvernement haïtien a fonti sous qu'école là à travers rencontre ça qui t'a fait hier en République dominicaine pour commencer, fait quelques petites pressions sur la République dominicaine. Mais nous-mêmes, ça que n'abtonne, c'est action pour gouvernement haïtien à poser, action tant coup fermer frontières, tant coup porter plainte dans l'ONU, porter plainte du côté des États-Unis, du Canada que nous connaît qui c'est principal pays que économie dominicaine li reposer et bien porter plainte dans organisme international cap défendre droit monde pour adopter des sanctions économiques contre la République dominicaine. Dossier intervention étrangère ou bien intervention militaire, j'en voulais reler li dans pays d'Haïti, il y a un autre rebondissement dans dossier A. Et bien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, li te ba yon interview hier. Mesdames et messieurs, côté que li retourné fait un appel activé sonnette d'alarme là du côté de la communauté internationale pour mandé yo pas oublier pays d'Haïti dans dossier ça. N'a pas rappelé que résolution pour te voyer force étrangère dans pays d'Haïti qui t'a préparé par les États-Unis li toujours trouvé li dans l'impasse et ça fait quelques jours nous pas attendez mesdames et messieurs parler de ça dans conseil de sécurité Nations Unies, mais officiellement dossier li retourné là sous
tabla à travers représentants haïtiens dans Washington. Nous suivons un extrait qui j'en saté, nous tournons tout de suite. Bonjour Pierre Runel, bonjour Guerrier de Seul, bonjour Lydie, bonjour Johnny et bonjour tout auditeur et auditrice qui a écouté Caraïbe FM matin. Là, représentant Haïti dans Washington, li aller dans le même sens avec le gouvernement qui demande en présence militaire étranger, même si je dis situation pas résoudre le problème Gaza, et pour lui-même, c'est intervention qui est capable de résoudre le problème ça. Effectivement, si dans la semaine qui t'est passée, aux questions voyez une force intervention en Haïti dominer l'actualité, eh bien, et ça fait quelque temps là, nous pas trop temps de parler de ça, nous plus temps de parler de sanctions que pays Canada, que États-Unis après contre une série de personnalités qui ont lien avec gang. Eh bien, Edmond Beauchit, qui c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis, particulièrement dans Washington, lui remettait question ça et sous tapis, côté qu'elle dit que la situation en Haïti pas changé, malgré que terminal Varoua lui-même l'ouvre, ça pas porté aucune solution à problème qui gagne, c'est ça. Et diplomate haïtien lui-même lui déclaré dans une interview que le bail dans ambassade pays d'Haïti dans Washington à agence de presse internationale Reuters. Beauchit Edmond dit que problème gang nan li continue étendu sur tout territoire national là, et c'est pour ça li continue ou bien remander communauté internationale là et pour le voyer une force intervention en Haïti pour capable affronter gang yo. Et pour accompagner la police là, bayo des formations techniques, bayo des matériels, yo façon pour non seulement répondre ou du moins attaquer problème gang nan, mais tout et répondre avec crise humanitaire ça qui gagne en Haïti. Donc et bon Beauchit nan l'interview ça, il dit que si pas gagne en présence internationale et pour aider à affronter gang yo en Haïti qui gagne gros âme en situation li capable vinn pi mal, c'est ça li déclaré dans Chita Palais, ça li te gagné avec journaliste yo. Ambassadeur Haïti à Washington li dit que force ça j'en te dit à l'heure li ta doit vinn et porter soutien à la police là, li dit que tout troupe ça yo capable à vinaider nan fait face carré avec gang yo, et il dit que on force comme ça yo ta capable reler en coalition de volontaires pour Haïti, ça qui selon Edmond Beauchit capable aider nan ça qui gen Haïti. Et en pile monde estimé que après Central Varoua a fin débloqué gaz t'a pral distribuer gon parti nan problème nan et qui t'a résoudre. Mais Edmond Beauchit dit pas rien qui change, c'est pour ça il remande communauté internationale là encore pour lui pas oublier dossier ça qui c'est voyez your force intervention en Haïti. En quelque sorte son aveu d'impuissance, ambassadeur il reconnaît que yo même en Haïti autorité yo pas en mesure pour résoudre problème là, seul en intervention capable de porter amélioration. À travers les déclarations ambassadeur Beauchit fait dans l'agence Reuters, il continue à demander pour force intervention Vini et sur base constat problème yo pas résout. Donc c'est on aveu d'impuissance que autorité Port-au-Prince yo pas capable de résoudre problème. Saint-Ville, correspondant permanent nous aux États-Unis, avec nous matin pour nous retourner sur un article qui paraît hier soir dans l'agence internationale de presse Reuters, côté ambassadeur haïtien Washington, Edmond Beauchit, parlait sous nécessité d'une intervention militaire en Haïti pour résoudre le problème d'un dépit de gaz qui est disponible ou qui est bloqué au niveau de Varoua, situation pas améliorée. Luxon Saint-Ville, ou avec nous Luxon. Effectivement, moi là, Pierre Honel. On dit que c'est son aveu d'impuissance, l'ambassadeur a parlé comme ça.
Effectivement, il semble un aveu d'impuissance, mais tout livré attire l'attention de la communauté internationale là, encore sous cas Haïti. Il faut que nous disions qu'il y a un moment à parler. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, ça fait quelque temps qu'il n'y a pas parlé de dossier ça. Tu as gagné une deuxième résolution que tu dois voter sous question ça. Et ça s'est bloqué parce que gagné un pile pays qui ont ti crasse rinka, j'en ai qu'à dire en créole, y a prêt aller koyo derrière, pas gagné un pays vraiment qui voulait prendre tête force intervention ça. États-Unis qui les même c'est et papa résolution ça, au lieu c'est comme si on papa qui gon petit li fait me dit ça non papier déjà. Et il n'est pas occupé de Timon, il a cherché un papa pour occuper le poulet. C'est comme si les États-Unis a cherché un pays qui pour prendre tête même initiative que le Vinavel. C'est pour ça qu'il était penché sous le Canada, qui lui-même paraît presque tout col dans le dossier. Ça. Par contre, le premier ministre canadien Justin Trudeau, il toujours paraît très prudent. Et même Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères canadiennes, il dit que. Avant que vous pensiez à une force intervention, et tout ça a bien pour faire d'ailleurs, il faut qu'on consensus avant même. Et Lydie, surtout Mélanie Joly, Lydie, pas rien qu'a fait pour Haïti qui pas bien haïtien là-dedans. Ça veut dire, ça qu'a fait la folle fête avec haïtien et pour haïtien. Donc, Canada, c'est vrai que c'est lui qui paraît devant d'ailleurs, et c'est Canada qui toujours annonce ses sanctions yo, avant que les États-Unis viennent derrière. Et lui montre qu'il est très prudent. Tu as gagné un pays, Brésil, qui a un pile partenaire dans le Conseil de sécurité, a peut-être compté sous lui pour te prendre tête pour ça. Et bien, pays, Brésil, dit que même avez un problème par y'a géré. Tu as gagné élection dans le pays, Brésil, vous avez une crise par y'a géré. Et pays, Brésil, te dit il n'est pas paraître probable pour un monde à même penser à Brésil pour ta vie prendre tête en force comme ça d'ailleurs. Et des sources officielles au Brésil t'es déclaré dans plusieurs médias ici aux États-Unis, particulièrement Miami Herald, que mission Nations Unies dernier qui t'est venu hein, avant dernier alors MINUSTA, il y a pas rien de bons souvenirs de mission ça. Donc c'est peut-être ça aussi voyez d'être coupe brésilienne en Haïti, c'est pas bagaille qui est en priorité. Il y a des informations qui dit que Bahamas t'a prêt pour lui prendre tête force ça, même presque pas t'as des paroles ça parler encore. Et qui est-ce qui volontairement t'a voulu venir prendre tête et force intervention ça en Haïti jusqu'à présent question et il était pas d'être pas monde qui voulait répondre, mais États-Unis très prudent pour me dire presque effacer tête lui dans ça parce que par grand fois j'aime entendre États-Unis dit la prendre tête force ça. Il seulement prend bâton pèlerin pour chercher l'autre pays qui t'a intéressé à une position comme ça. Qui vient y a un papa chaud pour la communauté internationale, là. Les États-Unis en particulier qui prudent et ils ont cherché tout dégager un consensus au niveau national pour être capable d'aller en couverture avec FOSA. Donc jusqu'à présent, ni à niveau local, donc consensus ça par arriver dégager international là par rapport à antécédent. Il était prudent. Merci beaucoup, Luxon Saint-Ville. Nous sommes contents de gagner avec nous au matin pour nous retourner sur Interview ça, ambassadeur haïtien dans Washington, Edmond Bouchit, Bayer, agence internationale de presse Reuters, côté on fait encore les PD en faveur d'une force étrangère, une force militaire bien sûr pour les autres problèmes haïtiens à faire face. Je tiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous vraiment pile. Ciao, ciao. À la prochaine.